Même si j'étais de retour dans ma ville et à mon domicile, mon moral demeurait extrêmement fragile et sensible. Un jour, je parlais avec mes parents de leur jeunesse et de ma naissance. Papa, sans se douter qu'il allait me blesser profondément, allait m'avouer un fait qui me fit à nouveau regretter, sur le moment, de ne pas être mort, ce 19 juin 1977. Tu es né quelques années trop vite. Je venais juste de m'acheter ma première moto, mais quand t'es venu au monde, tous nos projets de vacances sont tombés à l'eau. Il a fallu les oublier. Et j'aurais bien aimé avoir une fille. Si nous étions arrivés au mois de septembre, la Caisse nationale d'accidents, elle, s'était déjà manifestée durant le mois d'août et m'avait convoqué à Lausanne pour passer un examen approfondi sur mon état général. De cet examen, le médecin en avait conclu que j'étais suffisamment rétabli pour me rendre à Bellicon, dans le canton de Zurich, où se trouvait le centre de réadaptation de la Caisse nationale d'accidents. Le but de cet exil de 3 semaines en Outre-Sarine, testé de différentes façons, soit par des thérapies, physiothérapies, etc., mes capacités tant physiques que psychiques, à la suite de mon accident. « Vous parlez un peu l'allemand ?» me demanda le médecin. « Oh non, pas un mot. »« Ah, mais cela ne fait rien. Il y aura sûrement des physiothérapeutes qui parlent français. »« Bon sang, oui, m'expédie, machin. Dieu sait, je vais me retrouver dans un bled perdu à des kilomètres de Zurich. » Le 13 septembre, je me rendais à la gare d'Yverdon pour prendre le train à destination de Baden. Ce train, qui devait m'emmener presque à l'autre bout de la Suisse, m'apportait aussi un message. Lorsqu'il fut arrivé en gare, 2 copains en descendirent, les caporaux Caron et Vergère. Ces 2 Valaisans, avec qui j'avais fait équipe durant notre école de sous-officiers, lors de notre course de patrouille. Ce jour-là, nous fûmes les plus rapides à être parvenus à regagner la caserne. « Salut, Burdet !» « Qu'est-ce que tu fous dans cette tenue de touriste? Tu fais pas ton cours de cadre? »« Pas cette année, non. Je fais un tout autre genre de dislocation dans le canton de Zurich. » Après une brève conversation, je montais dans le wagon qu'il venait de quitter. J'avais une impression, qui d'ailleurs devait se confirmer 1 an plus tard. L'impression qu'à l'avenir, nos chemins allaient prendre des directions différentes. Eux n'étaient pas encore arrivés au carrefour de leur vie. J'aurais bien voulu pourtant rester avec eux, pour une fois qu'un cours de cadre avait lieu dans ma propre ville et que leur cantonnement se trouvait à l'hôtel du lac, plus précisément. Aux environs de 10 heures, j'arrivais en gare de Baden. À partir de là, un bus nous emmena jusqu'à Bellicon, un petit village situé à 10 kilomètres au-dessus de Baden, en pleine campagne zurichoise. Déposé au centre du village, je n'eus aucune difficulté à trouver la SUVA, initiale signifiant en allemand « Centre de réadaptation de la Caisse nationale d'accidents ». L'ensemble des bâtiments qui formaient ce centre équivalait presque à l'étendue du village de Bellicon. Arrivé devant le bâtiment principal, j'entrai pour me présenter à la réception. Après avoir rempli des formulaires de mon admission, une physiothérapeute parlant français me pria de bien vouloir la suivre. Après être monté quelques étages avec un ascenseur, elle m'emmena jusqu'à ma chambre. Je constatai alors qu'il y avait 2 lits. Je demandai si mon voisin de lit parlait français. Effectivement, il était lui aussi suisse romand et venait de Genève. J'appris par la suite que les quelques chambres qui entouraient la nôtre étaient réservées aux patients de langue française. Les francophones étions peu nombreux. Sur environ 450 patients, nous étions peut-être 20, pas davantage. Étant donné notre effectif restreint, j'eus rapidement fait la connaissance de chacun d'entre eux. Lors de ma présentation, je comprenais que notre communauté formait un genre de petite famille ou de club où les messieurs et les madames étaient à mettre de côté.
Tous les jeudis soirs, la direction du centre avait mis à notre disposition une salle privée où nous pouvions nous divertir à notre guise. Je dois reconnaître avoir passé d'agréables soirées en compagnie de ses copains et copines francophones. Soirées durant lesquelles j'allais faire la connaissance de Sylvain, que tout le monde surnommait, à juste titre d'ailleurs, Luis Mariano. Sylvain était italien, mais était né et avait grandi en Camargue. Il avait l'agréable accent du midi de la France et travaillait au pied des Alpes de Savoie, à Annemasse. Cet international, dans tous les sens du terme, travaillait pour une maison genevoise, d'où sa présence à Bellicone. Sa voix d'or exceptionnelle en faisait un phénomène. Il avait suivi le conservatoire et avait eu pour professeur le plus grand chanteur d'opérette de l'histoire, le célèbre Luis Mariano. Un soir, où nous échangeions des propos au sujet de sa carrière, il nous montra des photos souvenirs en compagnie du grand chanteur de charme. Lorsqu'il se mettait à chanter, même les plus bavards d'entre nous ne se faisaient pas prier pour se taire et l'écouter. La soirée terminée, il n'était pas encore redevenu un anonyme parmi les anonymes libres de ses actes. Car l'admiration que nous lui témoignions n'était pas seulement une manifestation des francophones. En effet, de nombreux patients d'origine italienne reconnaissaient en lui un grand chanteur de talent. Ils ne manquaient pas de le solliciter à chaque fois que l'occasion leur en était donnée. Très humain et à la fois amoureux de sa passion, il ne refusait jamais. Il était à la hauteur de son talent et acceptait volontiers de payer le salaire de la gloire. Le centre de la Suva avait déjà accueilli par le passé de grands sportifs. Je pense ici à Roland Colombin, l'un des médaillés olympiques de Sapporo. Quelques années auparavant, lors d'une descente au Lauberhorn comptant pour la Coupe du Monde de ski alpin, il avait fait une chute qui aurait pu avoir des conséquences tragiques. Il séjourna donc à Bellicone lui aussi, afin de retrouver la meilleure condition physique possible. Une preuve que les médaillés olympiques ne sont pas non plus à l'abri d'un accident. Durant ce séjour en Outre-Sarine, j'allais faire la connaissance de multiples personnalités, sans doute moins célèbres que Roland Colombin, mais pas moins intéressantes. Dédé, un professionnel de la construction, habitait le village de Fonds, près d'Estavayer. Comme il possédait une voiture, il me proposait de faire les trajets en sa compagnie les fins de semaine, lorsque nous rentrions chez nous. J'allais aussi faire la connaissance d'un copain un an plus jeune que moi. Nous devions vite nous apercevoir que nous avions de nombreux points communs. Jean-Bernard von Lanten était horticulteur de profession et travaillait pour le service des jardins de la ville de Lausanne. Il connaissait le sergent Gindreau, qui avait terminé sixième lors de la course à machine que j'avais remportée lors de mon cours de répétition en novembre 1976. Dans le milieu horticole, il avait également fait la connaissance de Jean-Jacques Wegmüller, mon meilleur copain d'apprentissage, lors des cours théoriques à Leipzig. Employé au service des jardins de la ville de Lausanne, il travaillait en compagnie d'André Métro, le frère de Bernard, avec qui je passais mes dimanches après-midi lorsque j'étais pensionnaire à Poliers-Pittet. Comme nous étions tous les deux dans le même métier à une année d'intervalle, nous avions bien entendu eu les mêmes professeurs. Nous sortions à peine de l'adolescence et avions bien des comptes à régler avec ces professionnels de l'enseignement qui nous avaient donné tant de sueurs froides. De ce fait, ils furent souvent les sujets de nos plaisanteries, alors que nous étions au bowling, au bar de la Suva. Mais l'agrément de ces soirées allait changer du tout au tout. Pour la première fois de ma vie, j'allais me laisser prendre à mes sentiments et me lier d'affection pour une jeune fille aux cheveux noirs. Toujours souriante, Alice Béchard était le charme féminin en personne. Je l'avais d'ailleurs surnommée Miss Sourire. Originaire du canton de Schwytz,
Elle travaillait à Gstaad, dans le canton de Berne. Lors d'un accident de circulation, elle avait perdu la maîtrise de son véhicule et s'était brisé les jambes. Lorsque je n'étais pas en thérapie, je me mettais à sa recherche. Très souvent, je la retrouvais à la piscine et participais à ses séances de physiothérapie, de loin ou de proche. Je tenais tellement à elle que je poussais même l'audace jusqu'à l'inviter à passer les soirées francophones dans notre compagnie, non sans avoir préalablement demandé aux amis, qui d'ailleurs ne virent aucune objection, pour qu'elle puisse se joindre à nous. Quand il nous arrivait certains soirs, dans l'intimité, de parler à cœur ouvert, Alice, voyant que mes sentiments à son égard prenaient de plus en plus de proportions, tentait de me mettre en garde. « Mais je suis trop vieille pour toi. J'ai 27 ans. » Cette mise en garde, s'il en est, ne pouvait stopper mes sentiments. Elle était à mes yeux la plus jolie fille que je n'avais jamais connue et la plus agréable aussi. En toute sincérité, dès le jour de notre rencontre, elle ne m'avait jamais caché qu'elle était fiancée et qu'elle aimait son futur époux. Mais malgré cela, son charme m'avait envoûté. Alors, pourquoi préférait-elle ma compagnie à celle de ses amis? Plus encore, à de nombreuses reprises, et alors que je me trouvais avec elle, ses amis de chambre l'avaient invitée à jouer aux cartes, son jeu favori. Eh bien, là encore, elle avait choisi de rester avec moi. Cette question, je lui la posais également. Elle me confiait alors qu'elle avait totalement confiance en moi et qu'elle savait mes intentions nullement hostiles à sa liberté. Pour cela, elle avait raison. Malgré l'attirance que j'avais pour elle, je la respectais et ne franchissais pas les limites qui auraient pu mettre fin à notre amitié. Si elle aimait bavarder avec moi, c'était pour une autre raison. Il est vrai que j'ai souvent manqué de syntaxe dans ma façon de m'exprimer. D'ailleurs, pour écrire cette autobiographie, je dois faire de gros efforts. Malgré mon français, qui laissait à désirer, j'avais un parler simple et clair, raison pour laquelle elle avait plaisir à converser avec moi. Elle parlait déjà l'allemand, l'anglais, et avec mon concours, elle allait améliorer son français. Il m'arrivait souvent de la dévisager d'un regard admiratif durant de longs moments. Pour mettre fin à cet état de choses, elle finissait par me dire « Ya, ya, Eric, pourquoi tu me regardes comme ça ?» À cette question s'ajoutait toujours un large sourire qui laissait apparaître ses dents blanches. « Tu sais, Alice, je suis jardinier de métier. Quand je plante un massif de fleurs en ville, les gens s'arrêtent et l'admirent, de longs moments, et sans rien dire. Ils les trouvent belles et ne se lassent jamais de les regarder. Eh bien, pour moi, tu es mon massif de fleurs que j'aime et que j'admire, sans rien dire. » Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Oh, maladie d'amour, maladie de la jeunesse, tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Quand l'amour est petit, c'est joli, si joli. Mais quand il devient fort, méfiez-vous mes amis. Caché sous le feuillage, c'est comme un serpent gris. Oh, oh, n'allez pas quand il dort, surtout le réveiller. N'allez pas car il mord, si vous le réveillez. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi.